Le ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Développement durable, Luc Oyoubi, a, sous l'invitation du directeur général de l'économie et de la législation fiscale, Hamidou Okaba, visité ce mardi à Libreville les locaux de la Direction générale de l'économie et de la législation fiscale. Pour le membre du gouvernement, cette visite informelle a pour objectif de prendre connaissance des conditions de travail de ses administrés qui n'ont pas manqué de faire part au ministre leurs préoccupations. La gestion des carrières des agents. Par exemple, les dernières nominations de chargés d'études datent de votre séjour à la Direction générale de l'économie. La mise en place des fonds communs, la rédaction du rapport économique et financier, le renouvellement du mobilier de bureau, le mobilier actuel, date de plus de 25 ans. Après avoir écouté l'état des besoins de ses administrés et passé en revue chacune des 6 directions que renferme la Direction générale de l'économie et de la législation fiscale, le ministre s'est voulu rassurant. Donc maintenant je reviens à la maison mère. On va essayer de se battre hein, par rapport aux conditions matérielles, par rapport aux conditions de travail, pour que la DGE produise les résultats attendus. La mission de pilotage de l'économie, il faut que chacun puisse bien la comprendre. Nous avons pour mission de suivre régulièrement l'évolution de l'économie pour pouvoir proposer des corrections dès qu'une anomalie se profile à l'horizon. On va essayer de se battre hein, par rapport aux conditions matérielles, par rapport aux conditions de travail, pour que la DGE produise les résultats attendus. La mission de pilotage de l'économie, il faut que chacun puisse bien la comprendre. Nous avons pour mission de suivre régulièrement l'évolution de l'économie pour pouvoir proposer des corrections dès qu'une anomalie se profile à l'horizon. En sa qualité d'intermédiaire entre le ministre et ses administrés, le directeur général de l'économie, Hamidou Okaba, s'est contenté de féliciter le ministre pour sa nomination à la tête de ses départements ministériels.